vaisseau nommé Droit de l'Homme était fort bien armé. Parti des côtes d'Armorique, faisant cap sur la mer Celtique pour en Irlande débarquer plus de 500 guerriers. Pour en Irlande débarquer plus de 500 guerriers. Il patrouilla pendant 8 jours pour y traquer l'anglais. Sabre au clair et poudre au canon, paré à aborder. Il prit en capture de briques, faisant plier les Britanniques. En route vers les côtes de France, il se mit en partance. En route vers les côtes de France, il se mit en partance. En 1797, le 13 de janvier, le Droit de l'Homme de Pelmarne n'était qu'à 1 degré. Il aperçut une frégate anglaise, l'Indéfatigable, de 44 canons, suivi de l'Amazon. De 44 canons, suivi de l'Amazon. Vers les 3 heures en pleine nuit, le gros temps le surprit. Bretons et Saxons s'échangèrent, débordés d'artillerie. Coups de mousquets et canonnades prirent le vaisseau en enfilade. Nous le prendrons à l'abordage avec sang et carnage. Nous le prendrons à l'abordage avec sang et carnage. À 6h03, après 1h30 de combat, bonne portée de canon, l'Amazon arriva. Dans la hanche du Français, lui tira une cordée. Tout juste avant de s'éloigner pour aller réparer. Tout juste avant de s'éloigner pour aller réparer. Sur les 8h30, se fit voir l'ennemi. Les 2 frégates britanniques se rapprochaient sans bruit. Le Droit de l'Homme à coups de canon perdit son mât d'artimon, repoussant toujours les Saxons par le feu des canons. Repoussant toujours les Saxons par le feu des canons. Ils bataillèrent durant des heures et jusqu'au lendemain. Furent blessés 2 officiers, l'un par un biscayen. Les combats ne s'arrêtaient pas, soudain la vigie signala de la baie d'Audierne la côte se vint et Saint-Nivose. De la baie d'Audierne la côte se vint et Saint-Nivose. Brisait son mât de misaine et son joli beau pré, les ancres et le gouvernail tout endommagé. Près de la plage de Canté, le Droit de l'Homme s'est échoué. À 7h du matin sonné ce 14 janvier. À 7h du matin sonné ce 14 janvier. Dans la violence des flots, dans la fureur des vents, disparaît ce matelot et rare survivant. Ne reste qu'un souvenir du Droit de l'Homme, le menhir, entre Pénors et Porcepoulan, aux frontières de l'Estran. Entre Pénors et Porcepoulan, aux frontières de l'Estran. Se fracasse et se brise sous les pieds des gouvernants. Plus de mousquets, plus de canons, mais à bout la population. Un beau soir se révoltera pour reprendre ses droits. Un beau soir se révoltera pour reprendre ses droits. La rivière à l'océan, vous venez non pas d'avaler des couleuvres, mais des courants de pensée passés par le bar de passeurs d'histoire, de mémoire et de savoir. Et pour en savoir plus, je vous recommande l'ouvrage de Jacques Cornou et Bruno Jornin, L'Odyssée du vaisseau Les Droits de l'Homme, l'expédition d'Irlande de 1796. Et pour aller plus loin,
la prochaine émission sera consacrée à un des personnages de cette odyssée, à savoir le général Humbert. Ce général Humbert est un Vosgien d'origine, né dans les montagnes des Vosges, et il est donc devenu marin, comme quoi on peut être montagnard et marin. Général, il a participé à cette expédition d'Irlande et il est devenu pirate dans les Caraïbes. Et cette histoire, comme je vous l'ai dit, vous sera contée lors de la prochaine émission. La nef à présent appareille en quête de nouvelles merveilles à penser, à dire et à faire passer. Rendez-vous pour une prochaine escale sous bon vent. Vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends! Et la trinquette, et ho, et ho, qui s'est réunie.
la traquette.